Bonjour à tous et à toutes. Sujet du jour, rouler en Zoé. Donc en direction de Bar-sur-Aube, ensuite Colombey-les-Deux-Églises, là où est enterré le général de Gaulle. Parti avec une autonomie de 303 km exactement. Et cette nuit, il a gelé à moins 3 degrés. Donc, malgré la gelée assez forte de la nuit, enfin petite gelée, les températures ont grimpé tardivement en matinée. Malgré tout, il y a une autonomie qui dépasse 300 km. Et ce qui fait que l'autonomie globale sur route, avec la température qui est maintenant 17 degrés, va augmenter petit à petit. Avec la montée en température de la batterie. Donc ça fait déjà un sacré moment que je roule. Et en effet, la batterie baisse pas vite en autonomie. Alors sur place, à Colombey-les-Deux-Églises, il y a une borne de recharge avec les badges Flashmile, par exemple, et d'autres, mais pas compatibles avec ChargeMap, malheureusement, pour l'instant, ni avec NewVMotion. J'ai vérifié et en effet, il n'y a pas de... c'est pas compatible. Borne 22 kg. Donc là on approche des coteaux Bar-sur-Aubois comme on dit ici. On quitte l'Aube, le département est plat et quand on arrive sur le sud du département, ça change. Voilà, ça commence. Après Bar-sur-Aube, Colombey-les-Deux-Églises, Chaumont, Langres. Donc la Zoé est toujours un régal à conduire. Toujours au régulateur de vitesse 82 km/h. Je sais que ces routes-là, il va y avoir deux radars mais qui ont eu un droit au maquillage. Donc il faut se méfier quand même malgré tout. De toute façon en roulant à cette vitesse là, je ne risque absolument rien. Alors vous voyez, il y a de l'eau. Et pourtant il n'y a pas beaucoup d'eau, il n'y a pas plus beaucoup. Hein. La terre ne boit pas l'eau. C'est tellement sec depuis des années maintenant. Que ça s'est durci en profondeur, ça s'est asséché en profondeur et ça fait que l'eau a énormément de mal à rentrer en terre. Oui, c'est pas banal. Hein. La sécheresse fait beaucoup plus de dégâts qu'on croit. C'est pas toujours visible. Ça, je vais relever, ça sert à rien. Grosse ferme. À l'écran, on ne va pas le voir beaucoup à cause du soleil. Je suis sur Google Maps. Et
on verra un peu mieux. Voilà, débrouler carrément. Ah, c'est original ça. J'avais jamais vu, j'avais déjà vu une trois roues avec le moteur devant et puis le passager ou la passagère derrière. Et là, côte à côte, c'est la première fois que je vois ça. Oh, c'est pas mal, c'est marrant. Pont de chemin de fer qui relie Chaumont, Troyes. Voie de chemin de fer. Vendeuvre sur Barse. C'est Google, hein, tous les deux, donc ça va pas être évident. Hein. Il y en a un qui va y croiser l'autre. Hein. C'est sûr que si Google Maps devient compatible, ici il y a une borne. Voilà. Juste ici. Donc j'ai déjà rechargé. Fonctionne bien. Alors si Google Maps fait la même chose que Waze, Google Maps prendra le dessus sur Waze. Ça n'intéresse pas forcément Google. Ah, il y a un château. Jamais vu. Ici, le prix du carburant, bien entendu, ça atteint les sommets. Hein. Quand on arrive à la campagne comme ça, sur les petites... Bah, c'est une grosse, ça, c'est une grosse commune. Et malgré tout, hein, le prix du carburant est élevé. À droite là-bas, c'est plein d'éoliennes. Il y en a tout le long. Sur les hauteurs, bien sûr, c'est là que ça favorise le passage du vent. Il ne faut pas beaucoup de vent pour faire tourner une éolienne. Les pales sont calculées pour. C'est tellement gros, tellement long, du moins, que ça capte les turbulences hein, qui circulent. Le mouvement d'atmosphère, tout ça, ça les fait tourner. Hein. Production d'énergie immédiate. Et je fais une parenthèse là-dessus, ça coûte beaucoup moins cher d'utilisation que les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires, c'est un gouffre financier. Elles produisent de l'électricité, bien sûr, qui est vendue, que nous, on achète, on paye. Hein. Mais derrière, le traitement des déchets nucléaires, je ferai une vidéo sur le sujet. Ça se situe pas très loin de chez moi. Des grands dépôts où il y a des milliers et des milliers de tonnes, des centaines de milliers de tonnes de cuves en béton, de conteneurs, remplis de déchets radioactifs qui viennent principalement des centrales nucléaires françaises. Et oui, on ne peut pas le détruire, on ne peut pas s'en débarrasser facilement, il faut les enterrer. Alors c'est gigantesque. Hein. Durée de vie des radiations de 10 ans à 100 000 ans. Voilà. Que ce soit du plutonium, l'uranium et autres, c'est la durée de vie. Donc on peut dire qu'il y a 100 000 ans en arrière, si les hommes... Enfin, c'était même pas encore là, les hommes préhistoriques. L'homme de Cro-Magnon, c'était 40 000 ans.
100 000 ans en arrière, ils marchaient encore à quatre pattes. Hein. Donc vous vous rendez compte, s'ils avaient créé une centrale et des déchets nucléaires à cette époque-là, seulement maintenant, ils ne seraient en théorie plus toxiques, plus radioactifs. C'est pour dire dans l'échelle du temps. Hein. Nous, en à peine un siècle, on a fait bien pire que... Voilà. Vallées, ça va aller en augmentant petit à petit. On va arriver à un centre de loisirs très connu. Bah, si vous ne connaissez pas, vous pouvez chercher sur internet. Je le dis pas maintenant, ça sera la surprise en arrivant dessus. Alors, excellente surprise au niveau de la recharge de la voiture cette nuit, puisque la recharge s'est terminée à 1h30 du matin. C'est-à-dire que même avec la gelée de la nuit, ça a pris en compte la douceur de la journée, et la batterie s'est rechargée, je dirais, 3 heures plus rapidement qu'en temps normal, comme hiver. Voilà. Donc ça fait le coût de la recharge, c'est plus de 1€ les 100 km. On va tourner autour de 1,50€. C'est oui, c'est impressionnant. Hein. Donc ça veut dire que 300 km, ça va coûter environ 5€. Avec 5€, on a combien de litres d'essence? 2,5 litres. Avec 2,5 litres d'essence, vous faites 300 km. C'est simple comme comparaison. Et c'est vrai, c'est réel. Je n'ai pas sorti la cervelle pour comprendre. Et calculer... facilement l'avantage de l'électrique. Alors la Kona, j'ai vu... non, pas la Kona, la Niro. Chasse en cours. Bah, la Niro, la consommation au 100 km. Eh bien, la consommation au 100 km à 80 km/h, à peu près à la même vitesse que je roule actuellement, c'est à peu près 15 kW en hiver. C'est pratiquement comme la Zoé. Ça, c'est pareil, une très bonne surprise. Pour une voiture qui est lourde, très bien équipée, bah, ça en fait une voiture pour ça qui est capable de faire plus de 500 km. Sur autoroute à 130, vous faites environ 300-350 km. À 130, hein. Si vous roulez à 110, plus de 400 km. Voilà, ça fait des routières maintenant, et des autoroutières. Elle se recharge sur les bornes CCS, bien sûr, sans problème. Et la Kona, c'est la même chose. C'est le même moteur électrique. Enfin, il y a une différence de puissance de moteur électrique et une différence de capacité de batterie. Les deux constructeurs essayent de se démarquer l'un l'autre, bien entendu. Mais bon, après, ça joue à... au choix des options. Hein. Il y en a qui préféreront la Kona pour la ligne, bon. Et d'autres la Niro parce qu'elle est plus grosse, avec un plus grand coffre. Après, hein. Ça fait quand même des voitures à 35 000 €, mine de rien. Et on a tout dedans. Hein. Puis après, il n'y a plus de carburant à payer. C'est là qu'on fait l'économie. C'est là qu'on peut, faire des crédits. Vous voyez, voilà, Nigloland. Nigloland, avec sa roue qui ne tourne pas. Donc là, on arrive sur une vallée. Alors en bas, c'est le grand parc d'attractions, qui est connu quand même, hein, de Nigloland, avec des éoliennes qui tournent un peu partout. T'as pas tout vert. M'étonne. Ils sont pris de court, hein, parce que la saison est beaucoup très précoce quand même. Les 16 degrés à mois de février, on n'a jamais vu ça. Hein. On est 6 à 7 degrés au-dessus des normales des saisons. Hein. Alors, régulateur de vitesse, regardez, là, je vous dis pas, il y a une sacrée descente. Hein. C'est pour ça qu'ils ont mis un radar. Eh ben, ça bouge pas. 82. Il y a tellement de freins moteurs. Le moteur électrique, c'est celui qui est... Bah, la régénération, elle est impeccable. Hein.
j'essaie d'attraper au vol ce qui pourrait paraître intéressant. Bien sûr, ça va faire une vidéo qui va bouger un petit peu. Maintenant, on arrive sur le bar sur au bois. Le bar sur au bois, c'est le Champagne depuis quelques années maintenant. Ils ont ratiboisé des pans entiers de collines, hein, enfin de grosses collines, pour le Champagne. Normalement, à cette époque-ci, c'est inondé ici. Tous les ans, c'est inondé. Et là, non. Non, c'est sec. Ça s'annonce pas bon pour l'avenir. Hein. L'année 2019, j'ai bien peur que ça fasse pire que l'année dernière. Ouais, il y a des frelons asiatiques qui vont se balader un peu plus. Asiatique qui remonte ici, c'est dans le département, de plus en plus ça va dans le nord de la France, il s'adapte, hein, bah, la température certainement douce. Cet hiver, la maximum de température négative, c'était moins 8, c'est tout. Moins 8, c'est pas beaucoup, hein. Ça fait pas fort. Évidemment, le Champagne, ça rapporte de l'argent et les communes en profitent. Là, il y a eu des travaux récemment, enfin qui ont duré un an quand même, qui ont nécessité un an de travail avec des lampadaires, lignes téléphoniques, tout est enterré, il n'y a rien d'apparent, alors que c'est des communes qui ne vivent pas, qui ne croulent pas sous l'argent. Hein. Année après année, c'est impressionnant. Ils déboisent et ils replantent les vignes. Il n'y en aura jamais assez. Ah, belle maison de Champagne. Oh, c'est du côté de avant Reims, il y a un château qui a été construit. Je dis bien un château, hein, tout neuf. C'est magnifique. Je ne sais pas combien il peut coûter des millions d'euros. Il faut que je fasse une vidéo dans ce coin-là. Ah, j'aime bien, c'est à gauche, c'est fait sauvage. Tout au bout, bah, petit à petit. Hein. Voilà, ils font des vignes là-bas maintenant, ça y est. Oh.